Une salle de classe entièrement rénovée. C'est l'acte salutaire qu'a posé l'ONG Réseau Code Meilleur Entendez, regard social envers les communautés pour un devenir meilleur au complexe scolaire de Kouti-Centre, dans la commune d'Avrincou, une école vieille de plus de 100 ans. Ceci est une suite favorable à la demande faite par les directeurs et le bureau de l'association des parents d'élèves de ce complexe scolaire pour améliorer un tant soit peu les conditions de vie des élèves et enseignants. L'inauguration de ce joyau est faite ce vendredi 19 avril 2024. L'objectif visé par ce projet est de contribuer à l'amélioration des conditions des élèves et des enseignants de la classe de CE2. Le projet consiste à effectuer des travaux de mise en norme, de réhabilitation et de renforcement de la structure d'une salle de classe au groupe B du complexe scolaire Kouti-Centre. Soutien matériel. Nous avons là, à ce niveau, les travaux préparatoires et les travaux de maçonnerie. Porter les dimensions de la salle de 7,30 m sur 7 m à 8,50 m sur 7,50 m. Assurer la sécurité du bâtiment par la création des poteaux et du chaînage. Reprendre le dallage du sol. Reprendre le crépissage intérieur et extérieur du bâtiment. Ouvrir une cinquième fenêtre. Reprendre le tableau noir. Fixer portes et fenêtres. Couverture. Travaux de menuiserie en bois. Confectionner et installer une porte de double battant ainsi que cinq fenêtres. Peinture. Nettoyage final du site et remise du bâtiment. Cette occasion marque un moment important dans l'histoire de notre localité et ouvre de nouvelles perspectives pour l'avenir de la communauté éducative. Vous comprenez toute l'importance que revêt la présente cérémonie de remise de la première réalisation de la structure que les populations de Kouti ont portée sur les fonds baptismaux il y a juste 2 ans. Reconnaissant envers cette ONG qui est donatrice, acteur éducatif, politique et ressortissant de la localité apprécie l'acte. Parce que le jour où on m'a annoncé que ce bâtiment sera réfectionné, j'étais très très content. Mes collègues ici en sont témoins. Et j'ai prié pour que ça ne soit pas un éléphant blanc. C'est arrivé à terme, nous sommes là, nous allons la fêter ensemble. Chers membres de l'ONG Réseau Code, merci infiniment pour l'effort que vous avez fourni. Et je prie Dieu tous les jours pour vous, pour que vous atteigniez l'objectif que vous poursuivez. Si moi je savais là, on avait même dit de nous construire un module de 3 classes. Puisque ils l'ont fait. Je voudrais, puisque ce qu'ils viennent de faire, c'est très très significatif. Comme le dit Victor Hugo, il dit chaque enfant qu'on enseigne est un nom qu'on gagne. Il poursuit encore, il dit qu'on appelle ouvrir les écoles, c'est fermer les prisons. L'école d'ici a déjà 100 ans. Mais des fois, personne ne peut même penser si cette école a déjà même 20 ans. Je remercie le président à travers le vice-président du Réseau Code Meilleur. Je le remercie pour tout le travail que vous avez abattu, parce que le tout n'est pas d'avoir des sous. Il faut aussi orienter les choses. Ça se construit, ça se bâtit. L'argent seul, ça ne fait rien. Occasion pour les anciens écoliers du complexe scolaire de Kouti-Centre de faire des témoignages. C'est à Dira qu'on a fait le cours primaire. Et c'est après la mort de notre grand-père, en 1952, quand nous sommes revenus à Kouti. On a fait l'école à Kouti. Au temps du maître Alakouni. Et c'est à l'école de Kouti que j'ai eu le CP. Après le don, les membres de Réseau Code Meilleur invitent les bénéficiaires à en faire bon usage. Oui, nous allons demander aux enseignants de cette école et aux élèves d'en faire bon usage, de l'entretenir afin que ça puisse durer aussi longtemps pour des générations
futures. Pour les nouveaux adhérents, les portes de l'ONG sont grandement ouvertes selon ses membres. Les actions réveillent ceux qui dorment. Cette première œuvre va être un tremplin pour ceux-là qui n'ont pas cru encore à l'ONG. Maintenant, ils vont croire que le sérieux est là. Et la porte est ouverte pour leur adhésion afin que la force vienne davantage à l'ONG pour plus d'actions. Jeune de 2 ans seulement, le premier acte de l'ONG Réseau Cordon Bailleur fait parler de lui-même. Pour les responsables de cette ONG, il serait indécent de voir dans un état délabré cette école qui fait partie des premières dans l'UEME et qui a formé assez de cadres.